s'envole dans le vent et moi je bricole un joli cerf-volant qui s'envole dans le temps au bout d'une corde tissée de mes 20 ans. C'est le plus beau, le plus grand râteau géant. Je tends à côté des oiseaux, ils traversent les continents, se voient dans l'océan. Alors on est le 5 février. C'est mon deuxième album. Nous sommes ici au studio Champagne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Depuis quelque temps déjà, mon cerf-volant ne sait plus où il va. Il me raconte ce qu'il voit et il a honte de voler comme avant. Et je le tiens maintenant au bout de ma peine, devant tous ces milliers de gens qui ne connaissent que la haine. Et je me surprends à rêver comme une enfant. C'était l'anglais, 50 pièces, c'est maximum. Je suis pas du tout. Mettons qu'on se fait juste la finale, puis après ça, on va retourner au début. Oui. On va faire ça comme ça. Je t'envoie ça. Toujours. Je leur fais un excellent prix pour cet album-là. Et encore, you're back. Ouais. C'est moins 20. Ce matin, en campagne. Dragon magnifique crache dans le ciel, la couleur des volcans au-dessus de l'Amérique et de ses gratte-ciels montés en paravent. Bon matin. Vous êtes surpris quand même. Il fait moins 20 à peu près. Non, on est super bien. Sauf non, mais regarde la boucane qu'on fait. Parce que là, on a un beau petit rayon de soleil dans le cou, là, mais en bicyclette ce matin. Là. Ouais. Ça, on se disait, là, c'est déjà le début de la troisième semaine quand même. Tu veux jouer, Claude? Que je refasse toutes les portes de guitare. Dans le vent, et moi je bricole des jolis cerfs-volants. Je les donne à tous ces gens qui se désolent pour qu'ils marchent en rêvant. T'aimes ça, toi, qu'il marche en rêve. Oui, c'est beau. Oui, c'est bon, ouais, ça. Oui. Là, il y a juste un petit moment de silence avant que ça repasse. C'est cool. Moi, je leur ferai une autre shot comme ça.